Voilà. Salut, salut, Diomandé. Comment tu vas? Donc, moi, je vais donner mon point de vue, voilà, personnel. J'ai regardé la vidéo, pas en direct, je l'ai regardée hier matin. Voilà, j'ai tout regardé parce que je savais que certaines personnes allaient demander mon avis. Donc, essaie de partager, s'il vous plaît. C'est la suite, il est sur notre passage. Comme je vous l'avais dit, moi, j'ai défendu à ma façon, j'ai fait à ma manière, j'avais fait des publications dessus, j'avais fait des montages photos et tout. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les injures ont débarqué sur ma page et en inbox, c'était juste incroyable la haine qu'il y avait. Donc, moi, je vous avais dit, grâce à eux, tous ceux qui ont été arrêtés, surtout lui, Suleiman Kone, tous ceux qui sont venus de l'Occident pour la Guinée, ils ont été des cobayes en quelque sorte. Voilà, ils ont été des cobayes. À cause d'eux, nous autres ne sommes pas partis. Donc voilà, il a fallu qu'on les arrête. Donc moi, je me suis dit, comme ils sont arrêtés, il faut continuer les publications et les vidéos. Parce qu'ils ont été arrêtés pour ne pas qu'ils parlent, pour ne pas qu'ils ouvrent les yeux. Parce que je vous ai déjà dit, ils savent que les réseaux sociaux portent énormément. C'est vous qui négligez cela. Donc les Madik et les Souleymane et toutes ces personnes, surtout qui venaient de l'Occident, nous ont montré. En quelque sorte, l'importance, leur arrestation, c'était, ils ont été juste des cobayes. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça que je peux vous expliquer. Mais vu la sortie de Malik, peut-être que certaines personnes seront surpris. Il faut du tout pour faire un monde. Moi, j'ai mon point de vue. Je ne suis pas là pour suivre les gens. Je ne suis pas là non plus pour vous influencer. Je vous ai dit, moi, je vous pousse à analyser autrement. Parce que le sens analytique de l'homme noir, il paraît, est complètement bloqué. Le Guinéen, c'est même pas bloqué, ça n'existe pas du tout. Voilà, quand une personne dit quelque chose, tout le monde suit. Vrouh. Les gens ne se disent pas, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Ils se donnent pas un deuxième avis. Tout le monde court là-dessus. Donc, moi, j'ai regardé la vidéo, je l'ai analysée à ma manière. Ça, c'est pour vous. Sinon, vraiment, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous poser la question à vous qui suivez Madik et tout, et ceux qui sont de l'UFDG, je vous l'ai dit régulièrement, moi je ne suis pas de l'UFDG. Mais la situation fait en sorte qu'aujourd'hui, il faut qu'on soutienne l'UFDG si on veut combattre Alpha. Après, il y a des gens qui combattent Alpha sans UFDG. Peut-être qu'ils vont réussir. Et bon courage à eux, bonne chance. Voilà, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je n'impose rien à personne et je ne vois pas comment les gens vont m'imposer leur façon de voir les choses. Voilà. Comme par exemple la sortie de Madik. Je reviens. C'est à l'UFDG de savoir ce que Madik leur a apporté. Est-ce que Madik a apporté à l'UFDG? Est-ce que Madik va encore apporter à l'UFDG? Maintenant, aujourd'hui, avec la situation qui se passe maintenant, à l'instant T, c'est-à-dire dès après ces élections, et eux, ils ont été arrêtés et tout, et tout ce que vous savez, aujourd'hui, moi, ça c'est moi. Ça, c'est moi. Moi, je me dis qu'il faut réclamer cette victoire. Il faut en parler. Il faut réclamer. Il faut être constant là-dessus. Mais si Madik dit que, je ne sais pas s'il est toujours de l'UFDG ou pas, je n'ai pas trop compris. Mais en tout cas, il arrête son combat politique. C'est comme ça qu'il l'a dit. Qu'est-ce que ça va apporter à l'UFDG? Parce que moi, je me dis aujourd'hui, l'UFDG, ce que l'UFDG doit se poser comme question, est-ce qu'il y a des gens qui vont nous aider à récupérer notre victoire? C'est ça leur problème. Je vous le dis régulièrement, ils ne sont plus là à chercher des militants. Non, l'UFDG ne cherche pas des militants. Non, ils en ont. Les gens ont déjà voté pour eux. C'est fini. Ça, c'est fini. S'il y a des gens qui ont des idées à apporter pour récupérer cette victoire, pour affaiblir ce régime, pour fatiguer ce régime et pour dégager ce régime, c'est ce que l'UFDG doit rechercher aujourd'hui. Donc, Madik est arrivé à son. Je vous le dis régulièrement. Chacun se bat en fonction de sa force, en fonction de la puissance de son âme. Ton âme prend 500 kilos, vous le savez. Allah donne à chaque âme, je ne sais pas, le truc, genre, le bagage qu'il peut supporter, quoi. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si on donne 200 kilos à un Madik et qu'il ne peut prendre que 20 kilos, ça va lui tordre le cou. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si l'UFDG a besoin des gens aujourd'hui qui peuvent porter 10 millions de kilos et que certaines personnes ne peuvent porter que 500 kilos, ils ne peuvent pas apporter grand-chose. Deux aveugles, ou alors, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu compliqué. Moi, concernant
tout ce qu'il a dit, il y a un truc que je n'ai pas du tout apprécié. Vu la lutte que moi je suis en train de mener, je n'ai pas du tout apprécié le fait de dire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, monsieur le président Alpha Condé, tout en sachant qu'au fond de lui, Alpha n'a pas gagné. Mais me mettant à sa place, je le comprends. Il sort de prison. Ce qu'il a vécu là-bas, lui seul le sait. C'est lui seul qui le sait. Non, on ne peut pas le savoir. Moi, je dis ça parce que je n'ai pas fait la prison. Peut-être, peut-être pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, ça déjà, j'ai eu du mal à terminer la vidéo parce que j'ai horreur qu'on appelle Alpha, monsieur le président, j'ai horreur de ça. Toutes les personnes qui disent ça dans leur vidéo, ça m'énerve. Les gens qui le publient, ça m'énerve. Donc, mais j'étais quand même obligée de regarder. Voilà. À un moment donné de la vidéo, je ne me rappelle pas trop. À un certain point, c'est comme si les sentiments voulaient venir et tout. Moi, je suis une femme. J'ai la tête sur les épaules. Je ne suis pas trop sur l'émotion. Je réfléchis avec ma tête. Je ne réfléchis pas avec mon cœur. Donc, peut-être que ce côté émotionnel a joué sur beaucoup de personnes. Moi, je me suis retrouvée tout de suite. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? On est en politique ou on est, je ne sais pas quoi. Je ne comprenais pas trop le truc. Vous voyez? Après, comme je vous le dis, les gens voient comme ils ont envie de voir, ils réagissent comme ils ont envie de réagir, ils ont leur cœur, ils ont leur tête et tout. Mais il y a des gens qui disent qu'en politique, il n'y a pas d'émotion. Il y a l'émotion dans tout. Mais l'émotion ne doit pas dominer la politique. Et il faut connaître l'histoire de la personne. Sa famille a une longue histoire avec le RPG. C'est complètement différent. Voilà. C'est pourquoi même les excuses qu'il a présentées tout et tout, je pense que si sa famille n'était pas derrière, ça m'étonnerait qu'il se comporte de la sorte. Il ne faut pas perdre ça de vue. Sa famille est dans ça depuis 30 ans, selon ce qu'il dit son père. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Maintenant, ce que moi j'ai à dire, je profite de cette occasion, que ce soit Madik ou quelqu'un d'autre. Moi, je suis moi, vous, vous êtes vous. Quand on est dans un certain combat, ça peut être religieux, ça peut être concernant le pays. Se battre pour son pays, c'est comme une deuxième religion. Excusez-moi du terme, ce n'est pas approprié, mais c'est pour vous dire la portée du combat. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Non, c'est chacun son âme. Chacun sauve son âme. Moi, je vous le dis régulièrement. Quand on dit que c'est écrit « chacun sauve son âme », chacun est responsable de ce qu'il a fait. Quand vous allez avoir certains problèmes dans votre vie, et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, et que votre père, votre mère, vos frères et sœurs ne peuvent rien, vous êtes face, tout seul, à certaines forces maléfiques, c'est là que vous vous rappelez que c'est vrai qu'il n'y a que Dieu pour te sauver. Là, tu vas te rappeler de lui. Ça, c'est l'instinct de survie. Tu penses tout de suite à un être supérieur. C'est même pas un être à ceux qui est supérieur à tous les êtres. Ça n'a pas de nom. Tout de suite, on pense à cela. Mais si les gens sont toujours là à penser à leurs frères, à leurs sœurs, à leur famille, à leur père, à leur mère, ils n'iront nulle part. Ça aussi, c'est une forme de sorcellerie et une forme d'emprise. Tu peux peut-être apporter quelque chose à l'humanité que ton père et ta mère ne peuvent pas envoyer, apporter à l'humanité. Tout être humain se dit que Allah subhanahu wa ta'ala me donne un enfant qui est mieux que moi. Donc, la limite de tes parents, tu dépasses cette limite. Moi, ma mère n'est pas politique. Elle n'est pas du tout politique. Alors là, pas du tout. Vous ne verrez jamais aucun membre de ma famille partager mes vidéos, les commenter ou les liker. J'ai mes soucis de famille personnelle qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais Allah m'a préparé à cela. Il m'a mis une barrière d'abord avec ma famille. Oui, parce que si j'avais cette relation avec ma famille, rassurez-vous, j'aurais déjà arrêté les vidéos. Mais personne ne peut... Il ne peut pas y avoir de répercussions, moi, sur ma famille personnellement. Je vous le dis aujourd'hui. Parce qu'on a déjà nos problèmes. Et ça, c'est aujourd'hui que je pense à cela. Je dis, mais si j'avais de bons termes et de bonnes relations avec ma famille, ils auraient pu passer par eux. Même s'ils ne passent pas par eux, ceux-là auraient dit, « Ah, tu as vu ce que tu as dit? Ah, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire ci. » Mais ils n'ont même pas l'occasion de le dire. Donc, moi, mon cas est réglé. Je vous dis, chacun a sa mission dans la vie. Moi, on ne veut pas comprendre les choses. On va finir par comprendre certaines choses. Moi, je pense que ce côté président, 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 non-stop, ça m'a gonflé à un moment donné. Sincèrement, ça m'a saoulé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que Madik peut rapporter à l'UFDG? Madik est un militant. Je pense qu'il n'est qu'un militant.
un militant frustré qui est venu dans l'UFDG à cause de ces raisons que personne, vous n'allez pas me dire que vous ignorez. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur, beaucoup de likes, beaucoup de bonnes choses. Voilà. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a son histoire de famille. Il a ses problèmes de famille qui ont fait qu'il est venu à l'UFDG. Ça, c'est autre chose. Donc, il faut faire très attention à cela. Ce n'est pas quelqu'un qui est de l'UFDG à la base. Il est venu à l'UFDG parce qu'il n'est pas content de l'autre côté. Moi, je suis à l'UFDG. Je ne suis pas à l'UFDG, je vous l'ai dit. Mais je n'ai pas d'autre route aujourd'hui pour combattre Alpha. Il faut que ce soit très clair. Et l'homme politique, le parti politique dont je rêve de fatiguer, de combattre, c'est l'UFDG. Parce qu'ils font le poids. Mais je ne peux pas combattre des gens que tout le monde veut mettre en position de faiblesse. Ça, c'est de la petitesse. Ça, c'est la pire des sorcelleries. Oui, excusez-moi. Je pense que chaque poids, 50 kilos se bat contre 50 kilos. Si 100 kilos se bat contre 50 kilos, il y a de la triche. Si 20 personnes se battent contre une seule personne, ça veut dire que 7 ans peut le supporter. Mais il y a une injustice quelque part. C'est pourquoi je soutiens ce côté-là. Mais rassurez-vous, quand tout va rentrer dans l'ordre, c'est à ce moment-là que je peux faire mes remarques. Il y a un point que je voulais signaler quand Madi qui était en prison. Mais c'était pas bon à ce moment-là. C'est comme aujourd'hui, il y a des trucs dans l'UFDG que je n'apprécie pas. Mais je ne peux pas le dire aujourd'hui. Non, c'est pas le moment. Chaque chose en son temps et en son moment. Voilà. Quand tu veux arranger les choses, quand tu veux mettre des gens en position de force, tu ne vas pas dire les choses pour les mettre en position de faiblesse. Parce que quiconque essaye d'affaiblir l'UFDG aujourd'hui, tu donnes de la force à Alpha, ça c'est clair. Maintenant, ceux qui sont en train de se battre par-ci, par-là, pensant qu'ils sont en train de se battre contre Alpha en même temps qu'ils veulent affaiblir l'UFDG, bonne chance, on verra la finalité. Inch'Allah, c'est Allah qui sait ce qui se passe au fond de chacun de nous. Moi, je ne peux pas le savoir. Je vais vous signaler un point concernant Madik. Je pense que Madik travaille dans le cinéma. Je crois bien. Il est réalisateur, il est comédien, je ne sais pas. Mais il travaille dans le cinéma. Donc, un Madik, c'est comme un Moussa Kofoué ou un Mamadou Tog. Ou qui là, Grand Davis et tous ces gens-là ou toutes ces personnes ou les acteurs n'importe quel DiCaprio, n'importe quel acteur qui peut être tueur aujourd'hui, qui peut être imam demain, qui peut être prêtre après-demain. N'oubliez pas cela. Ça, c'est son métier. Est-ce que Madik est en train de jouer un rôle? Est-ce qu'il est en train de jouer son propre rôle? Est-ce qu'il confond son métier et l'avenir de peut-être d'un pays ou de plusieurs personnes qui le regardent, les gens qui te regardent s'inspirent de toi, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, ils s'inspirent de toi. Tu fais des trucs, quelquefois, qui n'ont... Moi, je voulais acheter une broche. Allah, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça ne rentre pas dans les toilettes. Je dis, oui, je sais, mais rentrer dans les toilettes, je vais l'enlever. Il me dit, mais ne le mets pas sur tes vidéos, parce que les autres ne le savent pas. Même si tu le dis, quelqu'un va juste voir la broche, il va l'acheter, il va rentrer dans les toilettes avec. Tu l'aurais mal influencé. J'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, ok, je laisse tomber. J'ai laissé tomber. Donc, n'oubliez pas ce côté-là. Donc, il faut que vous sachiez une chose. Madik est dans ses droits. Ce qu'il fait là, c'est ce qu'il peut faire. Mais, ce que je veux signaler, il y a des gens qui sont partis sur l'émotion. Le fait qu'ils disent que les Dalen, le couple Dalen, Alimatou, Hadja Alimatou, et là, j'essaie de vous donner celui qui a été démocratiquement élu. Voilà, c'est ça le souci. Tout vient de là. Madik ne peut pas dire ça aujourd'hui. Il a signé des engagements. Cela est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Politiquement, il est mort. Mais comme les Guinéens aiment les morts politiques comme Alpha Condé, peut-être qu'il pourra ressusciter. Mais il ne peut rien apporter à l'UFDG. Non, ne vous leurrez pas. Le jeu qu'il a joué dans sa vidéo, c'est très dangereux. Il ne veut pas frustrer Alpha. Il ne veut pas frustrer l'UFDG. Il ne veut pas faire mal à aucun parti. Il dit, en tout cas, il ne va pas adhérer au RPG. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ça, c'est très bien. Oui,
Quand on voit superficiellement, c'est bien. Mais quand on creuse, ce n'est pas bien. Parce qu'il n'a plus le droit de critiquer cette bande de moribonds et de fripons. Il n'a plus le droit de les critiquer. Donc, mais si tu ne critiques pas ce régime, qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire que tu es d'accord avec eux. Mais en même temps, tu n'es pas du RPG. Il faut lire entre les lignes et ne pas oublier son métier. C'est très important. Je pense que lui-même, il a du mal à dissocier ces deux personnalités. Quand tu fais ce genre de métier, tu as une double personnalité. Si tu ne fais pas attention, tu mélanges la réalité et la fiction. Parce que le film reste une fiction. Le théâtre, pareil, ce n'est pas la réalité. Non. Mais ceux qui te regardent là pensent que c'est la réalité. Donc, c'est à vous de faire attention. Donc, monsieur le président, monsieur le président, monsieur le président, monsieur le président, voilà. Alpha, tu veux être validé comme président? Ben, moi, m'a dit, je te valide. Tu es président, fous-moi la paix. Bon, ok. Et là, c'est Luda Legallo. Tu aimes la paix. Tu es gentil. Tu es un bon père de famille. Tu es mon père spirituel. Voilà, je te console. Toi aussi, reste tranquille. Je ne dirai rien de mal de toi. Comme les Guinéens. Et beaucoup de personnes ont dans la tête que l'UFDG c'est un parti violent, le couple d'Alain, ils ont balancé, ils ont sacrifié Madik et patati et patata, tout ce qui a été dit, il les a rendus propres de ce côté. Cela aussi, c'est une forme de manipulation, peut-être c'est naturel, peut-être qu'il s'est entraîné, qu'est-ce que j'en sais, je ne sais pas. Tout en sachant que le RPG, c'est des gens qui ont été éduqués dans le mensonge, c'est des gens qui mentent sans arrêt. Mentir pour eux, c'est normal. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Vous les voyez ici. Ils mentent non-stop, ces gens. Et lui, il a été éduqué dans ce genre de famille. Mais Allah a voulu le récupérer. Parce que c'est une belle âme. Parce que c'est une grande âme. Peut-être que son âme n'a pas ce poids-là. Parce que ça, c'est un poids costaud. Je vous ai dit, il y a des gens qui ont intervenu là-dessus. Ici, il y a quelqu'un qui a rappelé que le truc aujourd'hui, c'est que c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat politique. Ce n'est pas un combat politique. Aujourd'hui, ce n'est pas un combat politique. C'est fini. Le combat politique, il est fini. C'est plus spirituel que politique. Maintenant, un fils spirituel, qu'est-ce que tu peux apporter à tes parents spirituels? Ça dépend. On verra bien. Mais s'il dit qu'il n'est pas du combat, il n'est plus de ce côté, moi je conseillerais quoi à quelqu'un qui a fait de la prison? De se battre dans le sens de la prison. Toi, tu ne vas pas en prison, peut-être que tu peux dénoncer cela, mais ça reste politique. Ça restera politique. Tu peux monter une association? Je ne sais pas. Aller aider les prisonniers en Guinée? Il y a des célébrités qui ont fait de la prison en France après, qui ont fait ça, qui se sont mis à aider les prisonniers, qui se sont mis à aller dans les prisons faire des trucs. Faire du social, ça aussi c'est pas mal. Ça sera du une politique masquée, moins dangereuse, qui ne te mettra pas mal, ni toi, ni ta famille, ni qui que ce soit. Parce que n'oubliez pas le côté de sa famille. Mais quiconque s'arrête politiquement. Moi j'ai eu des gens, que j'ai appelé quelquefois pour intervenir, qui m'ont dit qu'ils ont leur famille en Afrique, qu'ils ont ci, qu'ils ont ça. Je leur ai dit, comme moi, comme tout le monde, peut-être qu'on n'a pas cette même position, certes. Comme ceux qui sont morts. Vous comprenez? Si vous avez quelque chose à apporter, à sauver une vie ou 10 vies, vous allez vous résigner. Et si vous pouvez sauver 10 millions de personnes, vous préférez sauver une famille de 10 personnes, ou de 20 personnes, ou de 200 personnes, par rapport à 13 millions, par rapport à 10 millions. J'ai dit, mon frère, tu n'es pas prêt. Tu te mets dans un truc. Ce n'est pas ton destin. Tu veux forcer un destin. Ce n'est pas le tien. Donc, je pense que jouer sur les deux bords, ne faire mal à personne, ce n'est pas possible. Quand les gens viennent sur les émotions, superficiellement, ça arrange. Ce que Madik a fait, ça arrange les gens qui veulent que l'UFDG soit affaibli pour se positionner. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais quel poids Madik a? Il a quel poids? On est dans un combat spirituel, hein? Les votes sont terminés. Il faut redorer l'image de ce parti. Il faut redorer l'image de ce Luda Lengallo, de ce couple. Il faut redorer l'image des militants de l'UFDG
Et comme tous les partis politiques guinéens sont à base ethnique. Tous les partis, c'est pas l'UFDG. Tous les partis politiques guinéens sont à base ethnique. Malheureusement, c'est un pays de malades mentales. Dont les autres ethnies sont en train de se positionner aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe. Au lieu d'aider celui qui a gagné, ils préfèrent n'aider personne. Il y a des gens même qui disent qu'ils sont du côté du peuple. C'est très bien d'être du côté du peuple. Mais consciencieusement, vous savez que le peuple a voté pour quelqu'un. Ou bien, vous ne savez pas ça. D'accord. On va avancer. Après, est-ce que l'UFDG doit se méfier de Madik? Moi, à la place de l'UFDG, je dois me méfier de Madik. Oui. Vous savez pourquoi? Il a dit que Hadia Alimatou l'a contacté, lui avait dit de partir parce qu'elle a eu de sources sûres qu'on veut l'arrêter. Je crois bien. Il ne l'a pas écouté, il n'a pas fait cela. Il n'a pas fait. Ok. Mais un jour, il s'est levé, il a appelé quelqu'un, patati patata, tout ce que vous savez, et il est parti. Il voulait partir. Il est, en tout cas, on l'a arrêté après. Donc, dans le dos des Dalais, il est parti. Ça, c'est une trahison. Parce qu'il dit que tout en sachant que s'il l'avait dit aux Dalais, ceux-là allaient refuser. C'est tout à fait logique et tout à fait normal. Mais ce que Madik oublie, ce qu'il oublie, il était coupé de la réalité. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vraie vie. C'est pourquoi on dit prison. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui n'est pas au courant. Mais est-ce qu'il savait ce qui se disait? Ça se disait que il voulait amener une rébellion en Guinée. Et quand on dit que c'est Madik qui voulait amener la rébellion, on veut dire UFDG. Tandis que le UFDG, là, selon ce qu'il dit, n'est même pas au courant que Tchatch est parti. Vous comprenez? Donc c'est très dangereux. Je ne sais pas si Madik se rend compte ou si les gens qui ont écouté la vidéo là, là où ils avaient leur cerveau. Mais bon, je vous ai dit, quand on est mal guidé, vous jouez avec cette histoire de spiritualité. Mais c'est ce qui va faire tomber beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont tomber sur les réseaux sociaux, Inch'Allah, parce qu'ils sont dans un faux combat. Toute personne qui est dans un combat ethnique, qui que tu sois, quel que soit ton bord politique, tu ne pourras rien apporter à la Guinée. Rien. Parce que tu mènes un combat qui n'est pas vrai. Quel que soit ton bord politique, tu n'iras nulle part. Tu auras des milliards de vues. Des millions et des milliards de vues. Parce que quand tu mens et quand tu mènes un faux combat, tout le monde sera au courant que c'est un faux combat. Parce qu'il y a le monde qui a regardé. Quand beaucoup de personnes ne regardent pas et que tu ne réussis pas, on ne sait même pas que tu as mené un combat. Parce qu'on ne t'en met pas vu. Donc, ça, c'est même pas compliqué. Voilà. Maintenant, Madik peut se battre aussi pour les mineurs qui sont en prison. Il y a beaucoup de mineurs en prison. Il peut se battre pour ça. Il peut les aider. Mais ça aussi, ça sera politique. Voilà. Donc, si les gens n'arrivent pas à se couper de cette racine familiale pour être de grands hommes, c'est pas possible. Ça ne sera pas possible. Tous les grands hommes, que ce soit religieux, politique, ils ont eu ce genre de choses. La famille, souvent, ils te lâchent parce qu'ils n'ont pas cette grandeur. Soit toi, tu les tires vers toi, soit eux, ils te tirent vers toi et tu échoues. Ou alors, tu vas jusqu'à un certain niveau. Maintenant, c'est vous, UFDG, de savoir qu'est-ce que ce monsieur vous a apporté. Est-ce qu'il va vous apporter quelque chose? À mon avis, non. Et là, Justel Dalé Nyalo, c'est son père spirituel, Alimato Dalé et sa mère spirituelle. Mais c'est aujourd'hui qu'ils ont besoin de toi. Mais c'est pas facile parce que tu as déjà tes vrais parents qui sont peut-être pas en sécurité. Mais qu'est-ce que l'histoire va retenir de toi? C'est une très très bonne décision. C'est une décision très très sage. Je vous dis que l'affaire de Guinée là, si les gens savent ce qu'il y a dedans, ils vont même pas s'asseoir devant leur caméra pour parler. C'est pourquoi il y a des gens qui vont parler ici 20 ans. 20 ans, ça ne fera rien.
parce qu'ils ne sont pas sincères. Il paraît qu'en politique, il ne faut pas être sincère. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. L'idée qu'on a créée. Et un truc aussi, son père a été loyal envers Sékou Touré. Aïe! Et Alpha Condé. Pensez que ça, c'est un bon point politique. C'est un gros faux pas politique. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est des gens que... Après, ceux qui sont fans de ceux-là, mais moi, je pense que la Guinée n'a pas encore eu de bon président. Non. On n'arrive même pas à bien manger depuis que la Guinée est venue. Donc, il y a un problème. Donc, l'UFDG, c'est à vous de savoir qu'est-ce qu'il vous a apporté, qu'est-ce qu'il ne vous a pas apporté. Il y a un autre côté aussi. Il sauve sa tête. Il sauve la tête de sa famille. Ça, c'est tout à fait logique. Maintenant, le comportement de certains Guinéens, je vais revenir là-dessus. Moi, je ne suivais pas Madik. De toute façon, j'avais vu deux ou trois de ses vidéos. Il me faisait énormément rire. Toutes ces deux ou trois vidéos que j'ai regardées, j'ai beaucoup ri. Mais ça peut tomber sur n'importe qui. Je ferais la même chose. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les gens parlent. C'était des cobayes. Ils ont été des cobayes pour nous sans qu'on ne le fasse exprès. Les cobayes du destin. Donc, on n'allait pas rester sans parler, puisque c'était l'objectif pour ne pas qu'on parle. C'est la même chose que ceux qui ne veulent pas soutenir Dalain, mais qui combattent Alpha. Ils sont très intelligents. Mais on verra la finalité. Donc, il y a un autre côté aussi. Moi, j'ai vérifié sa page pour savoir c'est quoi sa motivation. Sincèrement, il fait des publications, mais souvent en rapport avec l'UFDG. Donc, il ne veut pas tomber dans l'oubliette. Il ne faut pas oublier cela aussi. Est-ce que c'est l'UFDG qui a fabriqué Madik? Il faut se poser cette question. Moi, je ne sais pas si... Les débuts, non, je ne peux pas m'aventurer. C'est à vous de savoir. Est-ce que c'est vous qui l'avez fabriqué? Est-ce qu'il a une connaissance qu'il peut utiliser ailleurs? Est-ce qu'il a un savoir qu'il peut utiliser n'importe où ailleurs? Moi, ce que je vous dis là, je peux adapter ça à n'importe quel pays du monde. À n'importe quel pays. Faire la politique sans l'islam, c'est une erreur. C'est une grave erreur pour toute l'humanité. Je ne vais pas parler ici pour faire plaisir aux gens, parce que les gens ont peur de l'islam, les gens ont peur des voilés, les gens ont peur de ci, les gens ont peur de ça. Mais tu enlèves Dieu dans quelque chose. Mais c'est la pagaille. Mais c'est le désordre. C'est le désordre. Tu donnes l'autorisation à n'importe qui de se foutre de toi et tu n'as même pas où te plaindre. Donc, moi, cette sortie, sans plus, quoi. Rien de transcendant, rien d'extraordinaire, parce que moi, je veux rencontrer des gens, je veux voir des gens qui se disent, oui, nous on veut réclamer cette victoire, et voilà, comment faire, comme moi je le dis, il faut faire des manifestations hors de la Guinée à l'étranger, parce que c'est la diaspora qui fait vivre les Guinéens. Maintenant, si quelqu'un s'assoit devant sa caméra, il dit non-stop, allô? Non, direct go. Ah, ça m'a pas levé. Non. À de suite, merci. Donc, vous voyez que moi, ça ne m'arrange pas. Après, il y a des gens que ça a arrangé. Je vais vous dire encore une autre bêtise humaine. Il y a des gens qui se disent, oui, Malik, c'est quelqu'un qui est très suivi. Il avait peut-être 50 000 personnes en ligne. Il y avait beaucoup de monde en ligne. Donc, si ce sont les réseaux sociaux qui doivent faire tomber Alpha Condé, Madik, lui, ne le critique plus. Bon, c'est réglé. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'Alpha va tomber. Je vous dis que quand on n'a pas la foi, on ne croit pas au miracle. C'est les réseaux sociaux qui vont faire tomber Alpha Condé, Inch'Allah. Si vous savez y faire, si vous savez qui suivre, mais si vous suivez les gens qui n'ont rien à vous apporter, il ne tombera pas. C'est tout. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce ne sont que des chiffres.
Il n'y a pas que ça. Il y a un combat derrière. Si tu ne peux pas supporter le combat là, tu n'iras nulle part. Tu vas mourir dedans. Voilà. Donc, lui, il sait. Malik sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Il ne peut pas tout dire. Mais il y a des choses qui vont sortir progressivement, progressivement, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et je le répète encore. Moi, je n'ai rien vu d'extraordinaire dans ce qu'il a dit. Il y a un gagnant dans ces élections-là. Il n'a même pas touché les élections. Il n'en a même pas parlé. Voilà, il a validé Alpha. Il l'a confirmé. Moi, ça, ça ne m'arrange pas. Ça n'arrange pas l'UFDG. Pas du tout. Les Dalais, ils sont humains. Ils sont gentils. Ils sont généreux. C'est leur nature. Maintenant, il n'est pas dans la politique, mais il va garder le côté humain, relationnel avec eux. Ils ont beaucoup d'amis. Moi, je ne parle pas à leur place. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. Je donne mon point de vue comme d'habitude. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est Lodel Ndiallo, celui qui a été démocratiquement élu, tricher les élections en Guinée, c'est un jeu d'enfant. C'est comme déplacer un pion. Je ne sais pas si ça se dit pion de dame ou de damier. C'est comme ça. C'est très simple. Maintenant, pour rentrer dans l'histoire, comme on vous dit que l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire, ça vous énerve, ça vous fâche, c'est parce qu'on ne fait rien d'extraordinaire. Maintenant, la chose extraordinaire qui peut se passer en Guinée, c'est que Sellou attache sa ceinture jusqu'à sa mort. Il ne reconnaîtra pas cette victoire. Se battre comme ce que j'ai proposé à l'étranger, ça va rentrer dans l'histoire de l'humanité. Si Alpha veut rentrer dans l'histoire, ils vont faire rentrer l'homme noir dans l'histoire. Je suis le Mandela de la Guinée. Je suis le Mandela de ci. Je suis le site de ça. Je suis Thomas Sankara de par-ci. Je suis de... Attendez. Mais il n'y a pas un grand homme en Guinée pour qu'on dise demain je suis le Sellou d'Alain de la Guinée. Je suis le Sellou d'Alain de l'Espagne. Je suis le Malik sans frontières de la France. C'est ce que moi je veux entendre aujourd'hui. Ceux-là ont mené leur combat. Ça, c'est fini. C'est des vieux combats. C'est des vieilles techniques. C'est pas parce que quelqu'un a fait 20 ans ou 50 ans de prison qu'il faut s'identifier à nous. Toi aussi, tu peux faire autre chose. Moi, je suis en train de cumuler l'islam à la politique. C'est de la folie pour certaines personnes. Je pars du principe que c'est ce qui m'a sauvé. Donc, ça peut sauver tout le monde. Et c'est écrit que ça va sauver l'humanité. Mais si tu dois sauver l'humanité, ça ne peut pas vous sauver politiquement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit la fois dernière. Il aime mes interventions et patati et patata. Mais ce qu'il n'aime pas, je vais essayer de trouver cette publication. Je vais vous la lire. Ça m'a beaucoup fait rire, je dis, parce qu'il y a des gens qui n'ont encore rien compris. Mais c'est quand même intéressant. Parce que, voilà. Il me dit, je ne dis pas son nom, monsieur, si vous me regardez, je ne dirai pas votre nom. Déjà, c'est un compte, les comptes qui ne mettent pas de photos, des comptes très actifs, mais qui ne mettent pas de photos. Il a beaucoup de bonnes publications, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Il dit, hello, j'admire votre ténacité et votre engagement politique et communautaire. Avec 3 points de suspension. Mais il me semble que le fait de vous présenter en missionnaire de l'islam étouffe la portée objective de votre message. Vous comprenez? Lui, c'est l'islam qui le dérange. Est-ce que vous comprenez le truc? Mais il admire ma ténacité et mon engagement politique, communautaire. Mais je ne suis pas peul. Je me bats pour les peuls, c'est ce qu'on dit. Mais je ne suis pas peul. Ça, c'est une grandeur. Un. De deux, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il s'est posé la question d'où vient cette ténacité-là? Et d'où vient cet engagement-là? Cette ténacité et cet engagement viennent de l'islam. Parce que Allah aime les patients et les endurants. C'est ça la ténacité. C'est tout. Comme vos imams sont en train de vous dribbler dans les mosquées, ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Ils vous parlent d'enfer tous les jours. Tandis que la Guinée est une poubelle à ciel ouvert, c'est l'enfer sur terre. Ils doivent se poser la question, est-ce que nous sommes vraiment sur le chemin de Dieu? Je ne crois pas.
Pas du tout. Donc, ça c'est mon point de vue. Chacun a son point de vue. Je n'influence personne. Mais Alpha Condé, si tu dois tomber sur les réseaux sociaux, la personne qui doit te faire tomber, tu ne verras même pas peut-être sa vidéo et tu ne pourras même pas l'arrêter. C'est ce que tu ne comprends pas jusqu'à présent. Et c'est ce que les Guinéens eux-mêmes ne comprennent pas. Parce qu'ils se disent, oh, Malik a quitté l'UFDG, tout le monde quitte l'UFDG. Mais tout le monde quitte l'UFDG, c'est ce que je ne comprends pas. Tout le monde quitte l'UFDG, oui, c'est vrai. C'est bien. Mais si quelqu'un n'est pas fort, on ne cherche pas à l'affaiblir. On est, je vais répéter ça 10 000 fois, on est sur une histoire, peut-être c'est pourquoi le monsieur l'a dit que je suis tenace. On est sur une histoire de résultats. On n'est pas sur une histoire de militants et d'élections, non. C'est sur ça qu'on est. Il faut que les gens comprennent cela. Et Madik vous a enlevé ça de la tête. Ça, je n'ai pas apprécié. Ça, c'est moi. Ça me regarde, c'est mon point de vue. Donc, c'est à vous de savoir. Moi, comme je vous l'ai dit, tous les combats qui se passent en Guinée, là, c'est ce que c'est venu accompagner. Les gens ne mangent pas bien bas. C'est parce qu'il n'y a pas la bonne tête. Il n'y a pas d'eau bas. C'est parce qu'il n'y a pas la bonne tête. Il n'y a pas d'électricité bas. C'est parce qu'il n'y a pas la bonne tête. C'est trop sale bas. C'est parce qu'il n'y a pas la bonne tête. Oui, toi tu es du côté de la population. Mais la population a déjà voté. Comment tu peux aider la population sans passer par le système, sans passer par l'État, directement ou indirectement? Le Guinée est tellement hypocrite et lâche que moi, je regarde les gens, ils me font rire quoi. Je dis, il y a un avenir. Voulez, il crie marané. C'est pourquoi le monsieur l'a dit que je suis tenace. Je ne suis pas missionnaire de l'islam. Les gens qui présentent les mèches et les crèmes, ils sont missionnaires de ça. Les gens qui sont dénudés, ils sont missionnaires de la prostitution. Ah. Les gens qui se décapent, ils sont missionnaires de quoi? Les gens qui ont des faux cheveux, ils sont missionnaires de quoi? Non. Moi, j'ai été sauvée par l'islam. C'est par là que je suis passée. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Mais moi, je ne comprends pas les gens. C'est ce que je vais vous dire. Les gens qui dansent devant les caméras, qui font des trucs, tout ça là, c'est dans ça qu'ils ont leur délire. Moi, je ne leur en veux pas. Mais là où moi aussi, j'ai eu mon truc, c'est ce que je vais vous dire. Hein? Je ne peux pas vous dire autre chose. Que bon musulman, c'est l'islam qui va sauver l'humanité. C'est ce qui se dit, c'est ce qu'on dit. Mais vous pensez que ça va sauver l'humanité dans la mosquée? Non, c'est de la politique. Oui, c'est pas parce que l'imam du Mali là a échoué. Je sais pas, je pense qu'il a échoué, je sais pas. C'est ce que certaines personnes disent qu'il a échoué. Mais attention, ils ont fait partie Ibeka avant la fin de son mandat. Les combats. Quelqu'un est sur son mandat. Tu le fais partir. Mais tu, comment tu veux que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Il se serait battu, guider les gens à la fin de son mandat net. Merci, au revoir. C'est bon, c'est fini. Ton mandat est arrivé à terme. Mais 2 ou 3 ans avant la fin de mandat. Mais ça, ce n'est pas normal non plus. C'est pourquoi Alpha, lui, il sait que l'islam va jouer un rôle. Mais c'est quelqu'un qui a la foi. Ce n'est pas un imam. Ce n'est pas les gens qui vont sortir de la rue. Allah Akbar avec le Coran. Non, c'est la foi. Quelqu'un qui va guider avec sa foi. Si on le suit, si on ne le suit pas, ben, vous aurez toujours les gens qui vont démissionner, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà, c'est tout. Malik n'a voulu offenser personne. Et ça, ce n'est pas politique. Et ça, ce n'est pas possible. Tu ne veux faire du mal à personne. Ce n'est pas possible. Les gens vont creuser. Ils vont creuser comme moi. Moi, j'ai creusé. J'ai dit, mais attends. Mais à un moment de la vidéo, je ne sais pas c'était à quel moment, les sentiments ont voulu me rattraper. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? J'ai dit, non, mec, ça ne va pas, ça ne passe pas. Ce n'est pas passé. Non. Ce n'est pas du tout passé. Je n'ai pas, monsieur le président. Ouf. À la fin, ça me gonfle, quoi. Donc, moi... En gros, c'est ça. Hein? Vous faites ce que vous voulez. Je pense que les gens comme Madik font
partie du passé de l'UFDG. Ça fait partie du parcours de l'UFDG. L'UFDG, il a promis de ne pas trahir quoi que ce soit. Mais ça, c'est le couple d'Alain qui savent ce qui se passe dans leur tête. Moi, je ne sais pas. Mais moi, quand quelqu'un se comporte comme ça avec moi, oui, je garde le côté humain, mais je fais attention, quoi. Je ne dormirai pas avec ce genre de personne les deux yeux ouverts. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Quand la foi s'installe à un certain niveau, mais c'est pourquoi il y a eu des prophètes qui sont morts et tout, voilà. Et quand on dit aux gens, on doit marcher sur les pas, essayer de marcher sur les pas de notre prophète, paix et salut sur lui. Mais les gens marchent sur les pas de Mandela, sur les pas de Sankara, sur les pas de Thi. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas les musulmans. Hein. Ils ont même honte de dire ça. Le seul pas sur lequel ils marchent quand c'est notre prophète bien-aimé, c'est la polygamie. Mais ce fut un grand homme. On ne va pas le résumer à cela. On ne va pas le résumer aux femmes. Non. Ce fut un grand homme. Il a fait de la politique aussi. Pour gérer les combats, pour gérer les trucs par-ci, par-là. Il faisait tout. Il faisait tout. Mais vous dites qu'en politique, il n'y a pas d'islam. En islam, il n'y a pas de politique. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. Je ne comprends pas ça. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à le comprendre. Et cela, ça, vous allez le payer. Nous allons payer cela. Nous tous, nous allons payer cela. Parce que nous avons mis une barrière à notre Créateur. Oui. Ceux qui sont contents de Madi, tant mieux, hein. Moi, que je sois content de lui ou pas content de lui, ça ne va rien changer à sa vie, de toutes les façons. Moi non plus, ça ne va pas changer grand-chose à ma vie. Moi, si quelqu'un, qui que tu sois aujourd'hui, même si c'est un gorille ou un chimpanzé qui sort de nulle part, qui va parler de cette victoire qu'on va la réclamer pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, c'est une question de dignité, de respect. Et pour l'avenir, c'est ce que les gens oublient. C'est ce que les autres ethnies qui sont en train de se préparer oublient. Ils pensent que eux, ils sont à l'abri. Mais on va laisser passer cela passer. Quelqu'un d'autre va le faire, hein, à une autre personne qui n'est pas peul. Vous pensez que Marie Sissoko sera là? Moi, je suis en train de parler. Je le dis régulièrement. Les gens ne me soutiennent pas. Hein. Les gens me montrent qu'ils ne sont pas contents. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Mais moi, je m'en fous. Vous pensez que c'est... Moi, je suis là pour vous faire plaisir. Vous savez d'où je viens? Vous savez ce que j'ai survécu? Hein? Malik, lui, il a survécu la prison à ciel ouvert. Moi, j'ai survécu une prison spirituelle. Toute ma vie, je suis sortie de ça, j'ai vu la lumière. Je suis sortie de l'obscurité. Vous pensez que je vais mentir pour retourner dans l'obscurité, pour faire plaisir aux gens qui sont dans l'obscurité, aux gens qui ne sont même pas bien guidés? Je ne le ferai pas. Donc, il faudrait que vous sachiez, Madik n'a rien apporté à l'UFDG, rien. Même si c'est qui, même si c'est Gawal, même si je ne sais même pas qui, même si c'est Alimatou Dalé. Si elle n'a rien à apporter pour cette victoire-là aujourd'hui, elle ne sert à rien à l'UFDG. Elle servira comme épouse, c'est tout. Alpha, quand les votes, quand les campagnes approchent, il approche Guéné Kaba. Parce qu'il sait que là, on dit que c'est sa femme. C'est tout, même si elle est inutile. Mais il l'a épousée, c'est pour ça. C'est pas pour autre chose. Donc vous allez ramasser les gens comme ça, à gauche, à droite, qui sont inutiles, qui ne vont rien vous apporter. Eh bien non, on n'en est pas, on n'est plus, c'est-à-dire on n'est plus à ce niveau-là. Chouchouter les militants, ou c'est fini, les gens ont fini de voter. Les ethnies qui ont donné leur voix, c'est nous allons vous regretter, vous avez fini de donner votre voix. Parce que vous ne vous êtes pas présenté, il a raflé vos voix. Parce que vous avez été des poltrons, il a raflé vos voix. Vous avez été des lâches, il a raflé vos voix. C'est tout. Moi, je vais le soutenir. Jusqu'à ce qu'il sorte de cette phase. Et je l'ai dit, je le réitère, il faut réclamer cette victoire à l'étranger. C'est la diaspora qui fait vivre ce pays-là. Il n'y a rien. Rien, il n'y a rien à Guinée. Pour manger, il y a des familles qui vont vous appeler 50 fois par jour pour qu'on leur envoie 50 ou 100 euros. Pourtant, ils ont la bauxite, ils ont l'or, ils ont le diamant. Ils n'ont même pas l'eau à boire. On va dire que mon père a été loyal avec Sékou Touré. Mon père a été loyal avec Alpha Condé.
Tu n'as pas... Madi, tu ne t'es pas rendu compte que son père a fait une erreur. Tu ne sais pas qu'au fond de lui, il le regrette, même s'il ne le dit pas. Tu ne vois pas dans quel état la Guinée elle est. Il fallait revisiter ton discours là. Il fallait bien revisiter cela. Moi, à mon avis, tu restes un peu dans l'anonymat. Tu n'as rien à prouver. Tu sors de prison. Tu te calmes, même toutes les publications là, tout le temps des photos. Tu arrêtes tout ça. Parce que moi, je veux comprendre l'état d'esprit de ce type là. Des photos, des publications d'aller là, appeler je ne sais pas quel jour ou si c'est... Je n'ai même pas bien compris. Il y a des moments, je ne comprends même pas trop ce qu'il veut, ce qu'il fait. Voilà, il y a des moments, tu aurais dû rester comme ça. Qu'est-ce que les gens attendaient? Les gens attendaient cette histoire de victoire. Celui qui t'a balancé, je ne sais pas, beaucoup de choses. J'en sais rien, moi. Voilà, je ne sais pas. J'ai rien compris dans ce truc-là. Mais les Guinéens, c'est des minimalistes. Et pourquoi il s'est enfui à ce moment-là? Alima, tu t'as proposé. Pourquoi tu t'es enfui à ce moment pendant que les autres dormaient? Imagine-toi. Le monsieur allait se réveiller. Où est Madik? Il a disparu. Il n'est pas là. Qu'est-ce que tu comptais faire? Les appeler quand tu serais arrivé à destination? Tu t'imagines? C'est qu'il allait ressentir avec tout ce qui se passe en Guinée, avec toutes les accusations que ce parti-là a. Nous, on est là. Les publications que moi j'ai faites sur ces détenus-là, tu vois les commentaires, mais tu hallucines, tu vois la haine. Je dis encore aux gens, quand les gens ont des problèmes, vous, les gens des réseaux sociaux, quand les gens ont des problèmes, moi, comme on a libéré les gens là, j'ai beaucoup aimé. Parce que j'ai vu des gens faire des vidéos ou des publications. J'ai dit, mais est-ce que ça va dans votre tête? Est-ce que ça va dans vos têtes? Pour un vieux pourri comme Alpha. Malika de l'avenir. C'est un jeu. Quelle méchanceté vous n'avez pas dit ici? Il faut l'enfermer, il faut le tuer. Il n'a qu'à rester là-bas même. Si c'est nous-mêmes, on va lui faire ci. Ah, c'est Alima Doudane qui l'a balancé. Alima Doudane est mauvaise. On a arrêté qu'elle est. On arrête toujours qu'elle est malinquée. Voilà, elle dit. Et patata. Mais on a libéré beaucoup de malinquées aussi, hein, non? Ou bien? Il a moins diabolisé quand même pour certaines personnes qui s'attendaient que c'est des diables. C'est Loudalin aime la paix. Ce qui s'est passé à Tokoumou. C'est Loudalé aspire à la paix. Je vous l'ai déjà dit. Voilà. C'est quelqu'un qui aspire à la paix. Il l'a dit. Mais tu ne l'as pas validé. Et les Guinéens n'aiment pas la douceur. Je vais finir en disant cela. C'est Lou est poltron. C'est Lou est calme. C'est Lou est timide. Parce que vous aimez les barbares. Vous aimez les sauvages. C'est pourquoi vous avez toujours eu des dictateurs. Je vous dis merci beaucoup. Inch'Allah, à bientôt. Je ne peux pas vous laisser intervenir parce qu'il se fait un peu tard. Et on dirait que je suis déchargée. Il est où mon chargeur? Comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Alao mbirinkanta. Aho natanga ho sutura. Rami silimidi birinkanta. Rami silimidi birinatanga. Rami silimidi birinsutura. Aho mfankanta. Aho natanga ho sutura. Ramon dimali. Yannour la Guinée qui est badimi, Ranour Rasso la Guinée, Rao badimi, Rao Bengré badimi, Rao Bengré badimi, n'importe qui dribble le Guinée.